Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfonk pour un nouvel épisode de Dredge. On va encore faire un épisode du pognon. Parce que vraiment avoir un bon navire, c'est la vie. Waouh, la place qu'on a quand même. On se fait plaisir. On se regarde un peu. On va pas se mentir. Ça nous a un peu changé la vie. On va peut-être dû replacer cette canne à pêche, mais elle va pas rester longtemps, donc c'est pas trop un problème. On va vite changer de canne à choper. Tiens, on va faire tous ces petits poissons là. Ah, un petit moche. Un autre petit moche. Tant bien, j'ai de la place derrière ma canne à pêche. Ouais, ça régale. Allez. Donne-moi tous tes petits machins là. Allez. Let's go. Vas-y. Ah bah j'ai plus. Bon bah y'a plus. C'est fait. En plus c'est rapide à pêcher, c'est bien ça. On apprécie, on adore. Hop là. Ah, des gros carrés. Alors là, on a vraiment la place pour vous là, ça régale. Ah, je vous préviens, on a fait les choses bien, on a fait les choses en grand. Vous êtes même pas assez nombreux. Vous êtes presque une déception. Bon, on va pêcher tout le monde, hein. On va y aller. Hein. Hop, 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 hop. Allez, les petits. Hop. Hop, ça monte. Hop. Tac, tac. Oh, il est moche. Il est parfait. Et du coup, comment tu fais pour avoir le légendaire avec vos conneries là? Bon, ça sert à rien que je joue à Tetris, hein. Retour maison. Hop, on prend pas de risque, on est de nuit, ça se passe très bien. Hop, hop, on rentre. Oui, I can see dead people. Ah, c'est plus dur quand même de bouger avec un seul moteur. Hein. Peut-être falloir que je fasse la recherche suivante de moteur pour le coup. Boum, 262$ de poids sky contre un bal. Vendu. Hop, chantier flottant. Ce qui m'a intéressé, c'est celui-là. À 300. Ah, ouais, alors soit je le vends, soit je le désinstalle. Ouais. Je te vends. Est-ce que ça. Ah, je peux pas l'installer. Sad. Faire la réserve. Parce que je n'ai pas fait la recherche. Parce qu'il me manque une putain de planche. Non, c'est une blague. Il me manque une putain de planche. Ou 9 jours restants, amuse-toi bien. Ah non, ce que je voulais là-bas, c'était une canne à pêche. Putain, j'ai tout gaspillé pour une. Alors, je voulais une canne. C'est du tissu. Ah, c'est du métal. Bon, on va faire le stock, hein, de toute façon. Enfin, le stock. J'ai pas encore tout rempli, hein. Donc, en vrai, go charger du métal, hein. Oh, de la planche. C'est beau. C'est beau, c'est exactement ce qu'on voulait. Ce jeu qui s'offre. Ce jeu qui se donne.
Oh, c'est bien. Oh, c'est cool quand ça se passe comme ça, là. Oh, c'est agréable. Là, presque, ce qu'il manque juste, c'est un moteur plus puissant et on est bien. Sans semer la sale bête qu'il y a là-dedans, là. Il va être l'heure de se rentrer dans le jeu. Bah, donc, on va se rentrer. On a bien bossé. On a pas beaucoup de boissons, on a encore beaucoup de métal, de conneries et de machin, mais bon. J'ai pas de place pour... j'ai pas de place pour ça. Alors, je pourrais juste récupérer un crabe, tant qu'à faire. Voilà. Merci, bonne journée. Hop, 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 hop. Mmh. 131. Et pas tant que ça. Donc flottant, c'est ça qu'il faut que je boucle. Hop, ensuite on va charger ça. Hop. Ah bah il me fallait 300 balles pour boucler ça. Moi je peux pas le boucler, j'ai pas les 300. Tout le métal a été rangé. Formidable, il me suffit donc d'aller dans ma réserve. Dans ma réserve, je prends ça, je me le fixe, je me la colle, comme on dit dans le milieu. Je sors de mon quai, je switch sur mon filet, je tège le filet à la mer, je bascule à ça, je me tac, me cale, hop, je dors. 5h du matin, largement suffisant, on sort, on dégaine tout, on y va. On y va, on y va. Faut charbonner, faut bosser là. Faut sortir du bif. Let's go. Ah! Mais je sais où j'ai besoin d'un explosif encore. Je me disais. Mince. Oh, un dégueulasse. Là où j'ai besoin encore d'un explosif. Où on peut par là, mettons. On fera de l'opti de rangement quand il y en aura besoin. Pour l'instant, il n'y a pas besoin du tout. Voilà. On va passer sur le hangar en fait du vieux. Allez hop. Voilà. Le. Ici là. Est-ce que je peux accéder à ma réserve là? Ma réserve. Explosif s'il vous plaît. Voilà. Tape des bruits volants, tatata, dégagez un raccourci. Baf, des explosifs. Baf, ma gueule. Allez, les débris s'écroulent. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça va être que de la tôle et des machins. Okay. Bon, on prend. Ah, bah non, il y a un objectif de quête dedans. Ouais, parce que là, je suis en train de faire chier avec un truc. Mais ça, c'est pas un objet de quête? Non, peut-être pas celle-là. Ça, oui. La boîte à musique. Est un objet de quête. La boîte à son. La boîte à zikas. La boîte à zikmu. On a donc techniquement fait la quête pour laquelle on était venu ici. Donc techniquement on se tire un peu quand on veut. Et je crois que j'ai relativement plus fait le tour de tout ce... Waouh. Ça y est, faut déjà opti là. C'est pas drôle les gars. Ça par là. Ah, y'en a d'autres. Oh, en plus, il y en a d'autres. Admettons, toi par là. Tetris. Ça comme ça. Tetris plus. Est-ce que ça par là? Ça comme ça. Ça par là. Je suis presque bon, mais je suis pas bon. Ouais, si je... Je vais empêcher, hein. Je vais virer un saumon, ça sera très bien. Un thon, un truc, un machin. Allez, salut des bisous. Hop, 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 hop. Hop. Poisson. Ça dégage. Dans ma réserve, ça, ça part à la réserve. On va partir à la réserve ici, pour être exact. Ça, ça descend par ici.
On a 480 $, on peut aller donc au chantier naval. Ça, ça coûte combien? 540, 250, c'est vendu. Je pense que ça nous a pris une nuit de taf entière. Et ben ZZ. Hein. ZZ, ZZ, ZZ. Quoique après, c'était pour rester un peu dans la berge. Ouais. On va lever l'encre. On va rapporter la quête. On va essayer de servir à quelque chose sur cette mission-là. Temps restant 7 jours. Ouais, mais je. Voilà, je récup parce que je m'en vais en fait. Voilà. Aïe. Oh, parfait. Hop, on a déjà fait un petit plein. Je peux me réparer mon crapaud là. Voilà. Je lui ai donné un petit nom, il s'appelle Crapaud. Il est mignon, hein. Et mignon mon panier à crabe ou pas? le rocher au manoir, je sais plus lequel c'est. Je crois pas que ce soit lui. Mais lui, je suis même pas sûr qu'on l'ait visité. Vas-y, je vais tracer un peu là. Ça, ça ressemble à un truc où on n'a pas mis les pieds. Hein. Un petit poisson. Un petit poisson comme ça fait toujours plaisir. Ouais, il y a un quai par là. Ah non, c'est une épave, mais on l'a déjà fouillé, c'est ça? Ouais. Ouais, j'avais déjà vu. Oh, une grosse baleine. Le mec, il nous a dit qu'il n'y a plus de baleines. Et par la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des baleines. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr. Ah, océan, je peux pas le pêcher. Bah ouais. Dégoûté. Dégoûté, c'est au moment où j'ai revendu mon matos océan que j'en ai besoin. Trop bien. Est-ce qu'on va gagner un nouveau pouvoir? Moi, je pense que oui. Je peux pas accéder à sa berge par là. Non. Hop là. Oh, oh putain, elle est belle. Anguille parasitée. De nombreuses formes scintillent et s'agitent dans sa cage thoracique déformée. Le reste de son corps est ratatiné et desséché. Hey, tu sers de couveuse quoi. T'as un peu un alien dans le vide, j'ai envie de te dire. Épuisé. On aura bien pêché, hein. On n'aura pas fait semblant. Ouais, tout ça, tout ça. Coucou. La pièce réagit. Le caillou ne réagit pas. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de poser tes mains sur un caillou. Bonsoir, étranger. Mais je vais aller à la réserve, moi, je vais récupérer. Oui, on sent. On sent. Oh, calme. Ah, vous traînez la grosse boîte à musique dans la pièce, creusant les planches en bois sous son poids. Le collectionneur ne paraît pas se formaliser, il est fasciné par la boîte. Attendez, mon café, il est froid. Non, ça, c'est important. M'en donner, les gars. Oh, attendez. Les épisodes se sont rallongés d'un coup. Hein. C'était pas de ma faute. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. C'est le jeu qui est comme ça. Hop. Ah, c'est bon. J'ai. T'es reparti. Vous avez trouvé ça dans les falaises, pas vrai? Le secret. Rendez la boîte à musique. Succès déverrouillé. Oui. Excellent. Vos futurs voyages devraient être un peu plus rapides, si vous permettez. Il choisit un des rubans argentés qui pendent de son livre pourpre et ouvre celui-ci à une page que vous ne distinguez pas. Se tournant pour profiter d'un ray de lumière, il lit la page en murmurant. Au bout de quelques secondes, vous ressentez une douleur au ventre, comme si une vague vous avait heurté.
L'homme referme le livre et vous observe. Manifeste. Ok. Bien, il y a d'autres reliques à trouver. Continuez vos recherches. Le récif du bassin des astres peut avoir un peu avoir piégé et acculé des épaves. Fouillez dans cette zone. Je vais indiquer un lieu sur votre carte. C'est là que vous pouvez commencer vos recherches. Votre recherche. Autre chose ? Non. Non, non, peut-être ça va. Non, je pense que vous avez été clair. Bon, bisous, bisous, à la prochaine, quoi. Quelque chose à retenir ? Il n'y a pas d'autre objet. Ok, c'était le DLC. Il okay. Y a un mini DLC où on vous vend une clé à la con. Je me demandais c'était quoi. Bah en fait, c'est l'atelier. C'est l'atelier, tout simplement. Donc c'est vraiment des merdouilles. Le DLC vaut pas le coup. C'est même pas un bon booster de départ de jeu. C'est vraiment juste... c'est faux de clos. Bon, c'est juste vraiment parce que je trouvais le jeu... cool et intéressant, on va dire. Pour pas dire extraordinaire comme jeu. Que j'ai décidé de prendre ce DLC hein. Et c'est vraiment juste pour ça hein. J'arriverai pas à voir du coup si c'est des débris ou pas. De toute façon c'est pas grave, on va se rentrer, y a pas de problème. Hop. Retour au Berk. La gardienne du phare vous attend sur le quai. Elle n'a pas l'air contente. Je t'ai vu partir vers l'horizon, traverser cette étendue profonde. Tu trouves ça prudent? Ça s'est bien passé. Hein. Je suis un mec qui est extrêmement positif. Cette fois peut-être, mais tu dois faire plus attention. Même toi, tu sais que malgré ton expérience, tu dois te méfier de l'océan comme tout le monde. Qu'est-ce que t'en sais si je suis expérimenté? Elle s'en va brusquement, tout en marchant sur le quai, elle observe l'eau. Quoi? Ouais, pas tuer, me tuer, la tâche, ok. 300 et quelques thunes. Merci. Merci. Du coup, quelle sèche. 300 et quelques thunes. 4 espaces de cale supplémentaires, ma gueule. Faut que j'aille au bois, là, maintenant. Je parle pas de Boulogne. Hein. Mais bon, faut que j'aille au bois. Vous aurez compris l'idée. Les petits poissons devant, on va les laisser. Voilà. Alors maintenant, on a de l'espace, on peut aller cartoucher du gros. Hein. Et plus on s'en met un ou deux à bord, on s'en met à la gueule plutôt. Allez, hop. Faut que ça monte. Oula. Pas loin lui, c'est bon. Ne pas répondre. Faire le ninja. Ah, mais ici aussi on a besoin de dynamite. Pour que je fasse péter des trucs ici. Je sais pas si... oh, c'est cool ça. Bon, ouais, gentiment dans notre coin, hein. On va draguer à fond, ça fait couler le temps. Ça fait passer la nuit, c'est très bien. Oui, parce que ça va se dynamiter ça aussi, non? Ah non. Si, ça se dynamite de l'autre côté. Si. Hop, ça part là. Ça part là. Je sais pas où je vais les mettre, mais ok. On va s'en sortir un quand même. Un, ça se range. 2, 3, 10, 20, non. Mais celui-là, je le range. Ensuite, ça c'est des raies, ça fait du 3, j'ai pas la place. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? C'est encore des raies à la con, toujours pas la place. Ça, c'est des petits poissons, j'aurai la place. J'ai vraiment raté ça. Voilà. Bah, franchement, voilà. Hein. Parce qu'on est quand même un peu là pour voir avant tout s'il y a des trucs intéressants.
Ah, s'il y a un moche, je veux bien le pêcher, vas-y. Ça vaut du pognon en moche. C'est juste un de base. Donne le moche. Bon, bah, va te faire enculer. Ah! Bonjour, bonjour. Ah! Une dalle de pierre dépasse de l'eau ornée de symboles grossiers représentant des poissons courbés. À sa base, une vague forme a été ciselée. Faut ramener du macro. Faut ramener du micro. Faut en ramener beaucoup. Hein. On va te ramener ça, ma gueule. T'inquiète, t'inquiète. Ça dépend. J'ai quoi dans mes filets? Parce que si j'en ai, j'ai pas de mic. Ok. Et je veux du bois. Merde. Oh, je me suis bouffé une bouée. On veut des micros. Oh, on pêche bien avec ce filet arrière. Hein. Il va se rentabiliser. Hein. Poissonnier. Oh là, 340. Ah ouais, ça se rentabilise. Ça se rentabilise bien. Hein. Tissu, ça se range par ici. On va à la recherche. Il va falloir qu'on entre. Il va falloir qu'on entreprenne. Voilà. Un bon gros moteur hydrojet là. C'est bleu. On commence la recherche. La recherche commence. Donc toi tu vends jamais de pièces en plus. Faut vraiment tomber sur la marchande. Oh. Par contre on peut changer de niveau de loupiote. C'est pas mal ça. Nouveau niveau de loupiote. Ça m'intéresse. Je te vends celui-là. Celui-là. Ok. Depuis ma réserve, on est bon. Pas de filet, pas de moteur. Rien qui m'intéresse. On a déjà changé la canne à pêche, c'est bon. La cale sèche. Dans la cale sèche, il nous faut plus que du bois. Uniquement du bois. Par contre, il faut beaucoup de bois et donc du pognon. Du pognon. Là, on est de nuit. 18h, ouais, vas-y, on va laisser couler une nuit. Tranquillement. On va refaire un départ à 5h. Donc voilà. Le jeu nous a dit que c'était bon de toute façon. Que c'était la fin. Très bien. Donc ça, c'est des petits poissons qui ne nous intéressent pas. Non. Oui, je crois que c'est toi. Toi, tu nous intéresses. Non. Ah, ceci dit, je me galère pour rien. J'ai une longue vue qui va pouvoir nous renseigner. Hop. Macro tacheté. Cabillaud. Allez. Pute. 1, 2. Cabillaud. Donc cabillaud. Et d'ailleurs je dis macro depuis le début, je sais pas pourquoi. Bon, ils ont des têtes de macro. Ouais. Et ce sont des cabillages. Voilà. Des pièces de moteur, moi ça peut se récupérer. Et d'autres cabillauds. On va aller se récupérer d'autres cabillauds, on fait la mission. La mission c'est les cabillauds. Allez. Hop hop hop. On va chercher un petit cabillaud. Je vais pas retourner voir l'architecte, voir si elle avait un truc. Des news, des machins. Un nouveau livre à me filer. Voilà. Tac. Tac, tac. Peut-être falloir se ranger ça un peu. Hein. Mais bon, avec la beigne que je me suis collé sur le navire, c'est
peut-être pas... C'est peut-être pas... Peut-être pas dingue, mon histoire. Peut-être plutôt comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Ouais, on a gratté un peu. Ouais, ouais, ouais. J'ai encore une place. Ouh, putain, ils sont vraiment dégueulasses. Ok. Bah, on roule ma poule, hein, on va voir. Hein. On va aller jusqu'à ce temple obscur et chelou. Hop, 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 hop. Oui, contrôle-moi, merci. Hop là. Hop là. Hop là. Et hop là. Une vague arrive emmenant les poissons lorsque l'eau s'éloigne. Vous remarquez qu'une chose s'est logée contre la pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? Bobine à tambon. Moulinet manuel sur lequel est enroulé un tendon élastique, une extrémité est greffée à un hameçon en os grossier. C'est rigolo ça. Voilà, ça dégage vers la réserve. Mais c'était rigolo, hein. C'est dégueulasse, mais c'est rigolo, hein. Voilà. Mais c'est un peu dégueulasse quand même. On va se mentir. Ok, pour le rangement à l'arrache, on va se ramasser ces trucs-là, là. Hop. Ah bon, un peu de pognon, autant les prendre. Hop. Surtout que vous me devez un moche là-dedans. Hein. Donnez-moi un moche. Oh, on est passé de élevé à épuisé, mais en un clic. Quoi. Il faut du bois. Il faut du bois. On va voir. Il faut toujours du bois. Oui, c'est ok, mais... Hop, tiens, j'ai un peu de place pour moi. Voilà. Puis j'ai plus de place. Bonne journée. En fait, le coin de la marchande ambulante est si rentable parce que je peux acheter ma recherche et tout. C'est grave bien. Hop. Réserve. Ah oui, il faut que j'aille voir le mec qui est en face avec ça. Je vais prendre ça tout de suite maintenant sur moi. Comme ça, j'y penserai. Parce que je l'aurai avec moi. Et un bout de bois pour la cale sèche. Plus d'emplacement pour canne à pêche. Royal. Charpentière. Répare la bosse et la connerie que j'ai faite. Merci. Donc officiellement, je peux changer de canne à pêche pour un truc un peu plus grand mais bizarre. Un peu plus grand mais bizarre. Ok. Oh bon bah, on va traverser de nuit. Hein, voilà. C'est pas très dangereux. Bam. Bam. Y'a plus rien. Le mérou à défense. Des défenses similaires à celles des sangliers émergent de la bouche de cette brute sans yeux. Il attaque tout ce qu'il bouge. Ou ce qui bouge. Ce qu'il bouge. Idiot. Alors certes. Le mérou photovoltaïque, hein, on le connaît déjà, évidemment, on l'adore. On va le récupérer. Ça va de soi.
Et non, je dirais pour le sport, jette-moi ça ici. C'est quoi ça? Retéléportez-vous où tout a commencé? Calme-toi. Je le dis tout net, tu te calmes. Voilà. Aller voir notre poissonnier hein, parce qu'on... Bon, en fait je m'embête pour rien de balader avec mes, mes petits trésors on va dire puisque j'ai une réserve de l'autre côté. ...412. Oh, j'ai fait une belle tournée nocturne hein. Je peux passer océan du coup. Macro grotesque. Vous n'avez jamais vu d'écailles gâtées ni d'yeux globuleux pareil. Oh, il est beau, il est beau. Il est beau pour moi. Macro. Bon, les pêches par 75 000 quoi. On se fait plaisir. Hein. C'est rapide, facile à pêcher, on adore. Hein. C'est la Connard Franck production. Hein. On approuve. Oula. Le cabillaud est pieur. Hein. Il regarde devant lui sans ciller. Ses yeux semblent provenir d'une créature bien plus grosse qui n'avait pas le cerveau pour traiter ce qu'elle voyait. Elle a déjà pêché, je me rappelle. Elle me l'avait, la faune locale quand même. Elle a un folklore. Elle a un folklore. Elle a un charisme, elle a une personnalité qui se dégage vraiment. Elle est pas comme les autres quoi. Elle est pas mainstream. Et vraiment, je pense qu'il y a quelque chose d'unique en elle. Ouais, on peut s'en pêcher. Hein. Allez hop, ça tombe là-dedans. Et puis, et bah c'est bien, attends, on repasse tout de suite, hein, juste après la, la vente, là. Hop, on vend quelques bignoux, vite fait. Hop, le négociant. Ouais, c'est ça, j'avais bien une réserve sur place. Boum, bah voilà. Merci, Pépé. Macal, est-ce qu'on peut ranger ça un peu, voilà, un peu à la cool, t'as vu... C'est dégueulasse. Un peu mieux. C'est un peu mieux, mais ça me va pas. Ce qui m'arrangerait, c'est genre un truc plus comme ça. 2-2-2. Voilà, parfait. C'est un 2-2-2 qui m'arrangerait. Après, je pourrais tège mes poissons à la réserve en vrai. Hein. Surtout quand tu vois des planches devant. Oh non, putain, j'ai pas la place pour ça moi. Alors, faut que je retourne à la réserve. Ma réserve, est-ce que je peux ranger de la poiscaille dedans? Je peux. Vous avez vu, je range ça avec une qualité. Hein. Une patience, une passion. Une qualité de rangement que vous n'avez jamais vue ailleurs. Hein. Même en train de vous demander comment comment vous avez pu vous vivre aussi longtemps sans voir un mec ranger aussi bien quoi. Vraiment. Il y a la chambre d'un ado. Hein. Ouh. Rangé bien sûr quand même. Quand même. Non quand même. Censé y avoir un moche là-dedans. Donne-le-moi. Donne le moche. Allez, donne le moche. Voilà. L'image gélatineuse tentaculaire déborde d'un orbite unique qui ressemble à une pupille noire, est en réalité le centre d'un œuf. Ah oui, déjà, c'est vrai. On peut le prendre. Peut tout prendre, mais à un moment donné, faut aller chercher. Peut tout prendre, mais à un moment donné, il faudrait quand même que j'aille chercher mes planches.
let's go prendre les planches. Il reste de la planche, nice. Très bonne nouvelle. Très mal rangé ma planche. Hein. Je vais les ranger un peu mieux. Voilà. Et j'ai pas la place pour le ranger. C'est marrant ça. Vas-y. On va aller ici. Hop. Rangeons ça. Hop, 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 hop. Voilà. Des gros poissons carrés. Je peux en ranger un. Ah non, je peux même pas en ranger un. Si, si. Alors, regarde. Hop, je peux en ranger un. Voilà. Oui, j'ai l'intention de tout pêcher comme un gros tas jusqu'au bout. Tac, comme ça. La zone est clean. Et voilà. Bon, on peut pas tout. Putain, faut que j'arrête de me cogner. Cardo passé par-dessus bord et putain. Placement de moteur, je pense, on va déverrouiller ça en premier. C'est déverrouillé. Ma réserve. Je peux pas genre directement tout vendre. Genre, toi si je vais chez le poissonnier, réserve, voilà. Je peux pas tout vendre. Mais ils sont encore tous frais. C'est cool ça. Voilà. Bah voilà. Et il n'y a plus de problème. Dans ma réserve d'ailleurs, si je peux ranger ça au bon endroit, ce serait formidable. Avec les trucs chevaux et inutiles dès le début. Bien que le petit moteur du début, je pourrais soit le poser pour aller un poil plus vite, soit le jeter une bonne fois pour toutes. Là, je le pose. Voilà. Un petit moteur en plus temporairement. Le temps qu'on se pose un gros truc dans ma réserve, j'ai tout posé. Oh, on est bon, on est bon, on est bon. On est bon. Alors, est-ce qu'on se téléporterait pas ce qui est une vraie question. Hein. Est-ce qu'on se téléporterait pas dans le prochain épisode. Voilà. C'était Clairefranc sur Comme d'habitude Gaming pour Dredge. Et je vous dis à la prochaine.